Tiens, bébé. Ouais. Viens voir. Oui, oui. Chut. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais préparer pour manger ce soir. Je vais faire une spécialité turque, c'est des golzen crêpes. Alors j'ai préparé la pâte déjà. La pâte c'est facile. Hop. Voilà, j'ai déjà préparé la pâte. C'est des crêpes turques. Bon, jamais fait, jamais goûté. J'espère que ce sera bon. Et j'ai préparé une masse pour l'intérieur. C'est poulet avec poivron, basla et aussi de la vache qui rit et du fromage râpé. Alors je vais préparer déjà la masse et après, je mettrai dedans dans la pâte à crêpes et on va le cuire. Et ce sera bon, on pourra les déguster. Allez, c'est parti, je vais commencer par faire la masse, comme ça, le temps que la pâte elle finisse de lever. La pâte c'est facile, hein. C'était 400 g de farine, 250 ml de lait, une cuillère à soupe de levure, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel et 40 g de beurre. Et après, bah, vous faites la pâte à la main et vous la laissez reposer 45 minutes la pâte. Donc j'ai déjà préparé avant, 45 minutes, ça fait un moment à poser. Donc voilà. Alors je vais attaquer ça. Alors maintenant mon poulet il est cuit, je vais rajouter le basla et les poivrons avec le poulet. Je vais bien laisser revenir. Bien assaisonné aussi. Tu veux de l'eau mon grand? Ta baba elle te donne de l'eau. Tiens donne, baba elle te donne de l'eau. Tiens mon bras. Voilà. Alors bien assaisonné, moi je mets le poivre, paprika et de la crème fraîche. Hop. Et du sel. Un poil de sucre comme d'habitude dans toutes mes recettes chez moi. Ça, c'est le petit côté caramélisé, c'est trop beau, vraiment trop beau. Voilà, on va bien laisser revenir et après on mettra la crème fraîche, bien laisser mijoter et ce sera bon. Alors maintenant j'ai bien fait revenir, on va rajouter la crème fraîche et bien laisser mijoter tout ça. Hop. Pas beaucoup, un petit peu juste pour le goût. Voilà, maintenant on laisse bien mijoter 10 minutes comme ça. 15 minutes, allez. 15 minutes comme ça, c'est sûr. Voilà, j'ai préparé la masse. Maintenant, j'ai préparé la pâte. Elle a bien levé. Allez, parti. Par contre, elle est bien collée dedans. Voilà.
Voilà, maintenant on va couper des petits bouts. Je sais pas, je vais faire comme ça. Hop. Alors, juste des petits bouts comme ça, ça suffit. Boule. Voilà. Je vais mettre ici. Voilà, vous faites les comme ça. Moi, j'arrive à en faire 8 avec cette pâte. Donc il y en a 8 pour 8 personnes, quoi, une chacun. Passer au roulage, mais je n'ai pas de rouleau, donc on se dépanne hein, avec le rouleau de cellophane. Ma foi, pas le choix. Voilà, pas trop large, quand même assez fin. Ça colle hein, avec le cellophane, mais bon, ça dépend, tant que ça marche, c'est l'essentiel. Voilà, pas trop épais, pas trop fin. Voilà. Hop. Et maintenant on y met la moitié d'une vache qui rit. Hop. Ça, on peut aussi le faire avec viande hachée. Hein. Normalement, c'est viande hachée, mais vu qu'on a fait pas mal de choses avec viande hachée, j'ai voulu changer avec le poulet. Je pense que ça va être pas mal aussi de poulet. Bon, après, on peut faire avec n'importe quelle viande, hein, je pense. Mais la prochaine, je le fais à la viande hachée pour goûter. Voilà, maintenant, on prend la masse. Et on vient mettre ça ici dessus. Voilà. Voilà. Et un petit peu de fromage râpé. Voilà, maintenant on le ferme. Voilà, et pour bien finir, c'est comme il est. Et là, on peut couper un petit peu le bord pour faire plus
Joli. Voilà. Hop. Et voilà. Et on les place de côté jusqu'à ce qu'on ait fini pour la cuisson. Hop. Voilà, ce sera la crêpe que je dis turque. Allez, maintenant, ainsi de suite pour les autres. Alors je vais les cuire, ça se cuit comme les crêpes, hein, à peu près. Voilà, il y a deux plateaux. Voilà. Bon, moi j'en ai fait que 7 parce que j'avais pas assez de masse, mais bon, c'est pas très grave, hein. Ils sont longs, ils sont grands. Alors là, juste beurrer un peu, je vais prendre le poêle à crêpes. Hop, on va les beurrer un petit peu. Maintenant, on va laisser cuire un petit peu, pas longtemps, mais on va laisser cuire. Là, elle est là. Ah, ça a l'air sympa, ça va être bon, je pense. J'espère que ça va être bon. Sinon, on va être fâché. Hein. Sinon, on va faire un plat de pâte alors là. Non, mais pas de raison, normalement, c'est bon, normalement, avec un bon thé, hop, alors ça a l'air de cuire très vite, hein, ouais, très très vite. L'odeur elle est bonne. Alors maintenant on va la retourner. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Voilà, maintenant toutes les faire. Franchement, je conseille cette recette. Vous pouvez la faire, comme je vous dis, avec la viande hachée. La prochaine fois, je vais essayer avec la viande hachée. C'est parce qu'on a fait les cannelloni, plein de plats avec les viandes hachées. Donc là, j'ai dit, je vais faire au poulet. Mais ça ne doit pas être mauvais aussi au poulet. Après, vous pouvez les faire avec plein de choses, je pense. Mais ça a l'air très bon. Alors là, on est arrivé à la cuisson. Voilà. Ça cuit pas très longtemps. Hop. Et moi, je le pose sur du sopalin. Comme ça, le beurre, il pompe un petit peu. Ça reste pas trop gras. Voilà. C'est mieux. Toujours bien beurré, hein. J'ai remarqué, si on beurre pas assez, ça sèche. Hop là, et voilà. Maintenant on va laisser cuire tout ça.
Là, je vais lui mettre un petit peu de papier d'alu, ça va garder la chaleur. Au moins le maximum de chaleur que ça peut garder. C'est bien. Alors, comme ça. C'est parfait. Tiens, bébé. Ouais. Viens voir. Oui, oui. Chouf. Waouh. C'est beau, hein? Darlene, je pas d'accord. Il a eu peur du papier d'alu peut-être. Je sais pas. Ça a l'air bon, hein? Ouais, voilà. Bien, hein, bien fait, bravo. Merci, Lulu. Chef de la maison. Ah oui. C'est bien l'état, c'est bon. Ah oui. Moi, c'est bien. Il est fatigué de sortir un petit peu. Mon chef, d'accord. La meuf est mon chef, d'accord. Je suis mon chef, que ça. C'est ça. Ça veut dire quoi? C'est... Bon, si je le dis, ce que je comprends en français, mouche à caca. Mouche à caca. Mouche à caca. Ça veut dire quoi? Bah, mouche à caca. Non. Tu dis ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, bébé? J'ai des cheveux en pita. Ah! Mouche à caca. Cher coca. Cher coca? Y'a pas de coca ici. Pas de coca dollar. Cher coca. Regarde, chauffe. Comme ça gonfle. Ah ouais! Ah non, ok, moi je te le prends là! Mais n'est-ce pas? Ah non, moi qui bouge, je te le prends là, ça a été le. Hada smito. Ou moi je te le prends là. Bravo! Merci bébé! Voilà, bravo! Bah, pour le ramadan, je fais tous les jours alors. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pas la fête tous les jours, hein. Ah, t'es casse autour. Ah, tu les as déjà réchauffés? Ouais, un petit peu, ouais. Ça, on les finit au cas où les filles ont encore faim. Voilà. Je pense déjà rien qu'avec ça... Ouais, alhamdoulilah. Wallah, elle en a trop beau, hein. Franchement, je suis content de moi. Voilà, ouais, c'est vrai. La pâte et tout bien réussie. Vraiment, ouais, j'aime bien. Hein. Bravo. Merci. Ah oui, j'ai pas vu, t'as mis quoi dedans? J'ai fait basla, j'ai fait poivron rouge, poulet que j'ai fait revenir avec de la crème fraîche. Alhamdulillah, attiré, même de kifta. Et après, j'ai mis du fromage vache qui rit directement sur le pain. Ah ouais. Après, j'ai mis la masla et après un peu de fromage râpé dessus. Bravo, c'est bien. On va goûter. On va goûter ça. Voilà l'intérieur, franchement ça a l'air super bon. Hein. Place, but you have no town. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I